Monsieur Poirot, pouvez-vous nous présenter votre société APE Étiquette, s'il vous plaît? Rappeler l'étiquette, derrière le mot étiquette, déjà si banal qu'il soit, se cachent 135 personnes. Et comme le dit APE Étiquette, donc on est spécialiste de l'étiquette adhésive, hein, autocollante. Et cela depuis 1974, date de la création de l'entreprise, qui a bien sûr évolué au fil des temps. Et pour passer de 10 personnes à 135 personnes aujourd'hui, et fonctionnant en 3-8, sur 10 rotatives d'impression. Et on imprime à la fois en flexographie, en typographie, en offset, en sérigraphie, je l'ai dit, oui, j'en ai oublié, typographie, et également numérique, sur un site à Paris d'une vingtaine de personnes. Qui sont vos plus gros clients alors actuellement? Eh bien, l'agroalimentaire représente chez nous environ 30% de l'activité, avec des noms comme Danone, Lactalis, avec la marque Président, entre autres. Ensuite, le plus gros client de la société, qui est dans le pétrolier, dans les produits pétroliers, c'est donc Total, hein, puisque nous avons 80% du marché Total, national et international. Ce qui fait la bonne santé aujourd'hui de l'entreprise, c'est sans doute également sa diversification, j'ai dit par rapport à son critère d'activité, multi-activité, mais également à son positionnement innovant. On a donc un petit laboratoire de recherche et développement, R&D, qui nous permet d'évoluer et entre autres d'avoir mis au point de l'étiquette bi-étiquette, tri-étiquette, qui nous permet d'avoir une étiquette à double volet ou à triple volet, qui était nécessaire, entre autres pour les nouvelles normes européennes sur tous les produits, hein, qu'ils soient alimentaires ou qu'ils soient, entre autres, pétroliers ou lubrifiants.